Dimanche 26 février, premier dimanche du temps de carême. Dieu qui purifie chaque année votre Église par l'observation du carême, faites que votre famille poursuive par ses bonnes œuvres le bien qu'elle s'efforce d'obtenir au moyen de l'abstinence. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 7 à 9, et verset 3, chapitre 3, versets 1 à 7. Psaume 50, pitié Seigneur car nous avons péché. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Acclamons ta parole Seigneur et vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena de la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Tu donneras pour toi des ordres à tes anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une haute, très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, en ce temps de carême, nous sommes invités dans les lectures qui nous sont proposées à voir comment le diable procède pour nous faire tomber. Pour nous faire tomber, nous aussi, pendant ce temps de carême, où nous avons pris des décisions, des dispositions. Quelle est, eh bien, pour moi, dans mon temps de carême, ce que je vais faire pour pouvoir être le plus proche du Seigneur qui chemine pendant 40 jours dans le désert? Comment est-ce que je vais me préparer à la venue de Pâques et à l'amour du Seigneur qui vient dans notre vie? Nous voyons au début de la Genèse Adam qui est créé, et il manque un petit passage. Nous voyons Adam qui est créé, puis il va donner un nom à tous les animaux, et puis il ne va pas trouver d'aide, et Dieu va de son côté prendre ce qu'il faut pour faire la chair de sa chair. Le commandement qui a été donné, tu mangeras de tous les fruits excepté celui de la connaissance du bien et du mal, il a été donné à Adam avant que Ève vienne. Alors souvent, dans la liesse populaire, on dit, voilà, c'est de la faute de la femme si l'homme a mangé du fruit. Voilà, et on remet ça sur les femmes. Et pourtant, moi j'ai bien une explication. Puisque Dieu a dit à Adam ce qu'il fallait faire, on peut penser que Adam ait mal retranscrit la parole. Oh, vous savez ça dans les couples. L'homme, mon mari, ne parle pas. C'est une vraie tombe. Quand je lui parle, il ne me répond pas. Moi, je lui dis tout ce que je fais dans ma journée et lui, il ne me dit rien. Alors, on peut penser qu'il en était de même pour Adam et Ève. Alors Adam aurait dit une partie du commandement et se serait pris un peu les pieds dans le tapis. D'ailleurs, quand on lit le texte, on ne sait pas trop.
Où est l'arbre du bien et du mal? On sait bien que l'arbre de la vérité, de la vie, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre du bien et du mal, on ne sait pas trop où il est. Et quand on entend le diable qui vient tromper, parce que le diable c'est le diviseur hein, quand même, donc il vient tromper Ève, il lui dit « Alors vous avez le droit de rien manger ». Alors elle est prise un peu, puis elle veut défendre Dieu, et elle dit « Non, on a le droit de tout manger, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin ». Et le démon, lui, se sert de ces paroles un peu fragiles pour dire qu'elle se trompe et qu'il y aura la vie. Alors il aurait raison si on mangeait l'arbre de la vie, mais le fruit qu'il veut donner à Ève et à Adam, ce n'est pas l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si j'arrive à connaître, moi, le bien et le mal dans son infini, eh bien je n'ai plus besoin de Dieu. Je mets Dieu à part et je vis tout seul, puisque je connais tout. Je suis Dieu, ou je suis à la place de Dieu. Et c'est ce que veut Satan. Et le péché originel, c'est de se débarrasser de Dieu. Et on voit bien que l'époque des Lumières, eh bien, c'était de dire que Dieu est mort et ne sert plus à rien. Et on en revient parce que, du coup, eh bien, dans nos sentiments d'appartenance, on se rend compte de l'immensité et de la gloire de Dieu. La lettre aux Romains nous parle de cet archétype qu'est Adam par rapport au Christ. Adam qui a succombé au mal, et le Christ qui, lui, vient, en montant sur la croix, nous sauver de nos péchés. Alors, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, dans un mouvement de libération, et nous avançons avec le Christ. Et cette libération, eh bien, elle se fait depuis notre baptême. Nous sommes libérés du péché originel, mais nous avons toujours la concupiscence et nos péchés personnels. Qu'est-ce qui peuvent être ces péchés personnels? Un peu l'envie. Lui, il a des belles chaussures à l'école. Maman, je veux les mêmes chaussures que lui. Et puis si en plus je pouvais avoir le même blouson que l'autre, comme ça j'aurais les mêmes chaussures que lui, le même blouson que l'autre, la même casquette que l'autre, et c'est moi qui serais le meilleur. C'est l'envie, c'est la jalousie, c'est... Et le diable, il fait que diviser dans notre vie. Vous savez bien que parfois on vient et on dit « mais je n'ai juste fait qu'un petit mensonge, donc c'est pas grave ». Sûrement les parents ont tous entendu ça. « Alors, t'as fait tes devoirs ?»« Mais oui, j'ai fait mes devoirs, maman, je peux aller jouer. » Et puis, au retour de moment de jeu, eh bien, la maman s'aperçoit qu'il n'a pas fait ses devoirs. Alors il se prend une baffe. Et ça, c'est pas grave. Ce qui est le plus grave, c'est la confiance entre la mère et le fils qui est diminuée, qui est atténuée. Le prochain coup, t'as fait tes devoirs? Oui, ben fais voir si t'as fait tes devoirs réellement. Vous voyez? La confiance est partie. Et c'est ça ce que recherche le diviseur, le diable. Diviser dans les familles, dans les couples, dans tout un tas de choses. Plus il divise, plus il est heureux. L'évangile, le diable essaye de diviser le Christ, de diviser Dieu, de diviser cette sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, mais moi, grâce à moi, je sais que tu viens de faire 40 jours de jeûne, mais moi je vais diviser ton truc, je vais te le casser. Et puis, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. Avec du pain, tu peux faire des... Avec des pierres, tu peux faire du pain. C'est ce qui fait à nous aussi quand on a décidé de, par exemple, de pas manger de chocolat. Et puis,
On se dit, oh, c'est juste un petit carré de chocolat, alors je peux le prendre. Il est resté sur la table, là. Ah oui, mais le diable, lui, vient nous diviser. Il dit, vas-y, prends-le, il est tellement bon. Mais comment est-ce que je peux, moi, comprendre et voir comment le Christ s'est battu face au Satan? Déjà parce qu'il est Christ et il est Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous relisez le passage, il va ne faire que prendre les paroles de Dieu. Il ne va pas essayer de marchander ou de donner une explication comme a essayé de faire Ève. Il va prendre la parole de Dieu et il va la plaquer devant le démon en lui disant « Voilà la vérité ». Le chemin, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et en plus, lui, il est la parole de Dieu, donc il sait ce qu'il doit dire. Alors nous, quand on est tenté, il nous faut nous plonger dans notre Bible, parce que dans notre Bible, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu en réel, la parole de Dieu qui nous aide, qui nous permet d'entrer en relation avec le Christ. Si j'essaye de marchander avec le diable, je suis sûr de perdre, il est plus malin. Réécoutez le début de la Genèse. Le serpent était l'animal le plus rusé de tout ce qui existait sur la terre. Et donc, nous voyons bien que ne prenons pas dialogue avec le diable. Souvent, des gens prennent dialogue. On a eu ici, il y a quelque temps, une jeune fille qui avait pris dialogue avec le diable et qui était venue et on a prié pour elle, pour qu'elle guérisse. Et elle était complètement envahie par le diable qui l'avait, eh bien, prise sous son aile, comme on dit. Mais pas une bonne aile. Alors nous, aujourd'hui, ne prenons pas dialogue avec le diable. Nous sommes dans ce temps de carême pour purifier notre cœur, pour avancer vers Pâques. Tournons-nous vers le Christ, dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône, ce qui nous a été recommandé au mercredi des cendres. Tournons-nous dans notre Bible, ouvrons notre Bible, prions, venons à l'Église. Prenons le temps d'un chapelet, prenons le temps d'un chemin de croix. Prenons le temps de la prière. Et une arme contre le diable, c'est le « Je vous salue Marie », parce que Marie écrase de son talon le serpent. Et cela est important de voir la force de Marie dans notre vie. Et la force de nos anges gardiens. Parce que à la fin de ce récit, nous voyons les anges qui viennent et qui le servent. Il nous faut aussi demander à nos anges gardiens de nous protéger de nos égarements. Alors, pour que ce temps de carême soit un temps fructifieux, plein de fruits, je vous invite à la prière, au jeûne et à l'aumône, et à ouvrir votre Bible, à vous tourner vers l'amour de Dieu, vers ce Dieu qui veut que votre bien et qui veut que votre famille soit soudée, non pas divisée. Faites confiance les uns aux autres, demandons au Seigneur de vous accompagner, demandons à nos frères de nous porter dans la prière lorsque nous sommes dans une embûche, que le Seigneur nous guide et nous accompagne. Amen. Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mes frères, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru ». Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et bon carême à tous. Que le Seigneur vous accompagne durant cette épreuve de jeûne, de prière et d'aumône. À bientôt.